pression avec Mouli, Loemba. Loemba qui essaie d'allonger. Attention, hein, je me demande s'il n'y avait pas une grosse faute à nouveau de Corstiens. L'ouverture, elle est pas mal ici vers Alessio Cacchio. Temps fort pour Liège. Le centre, il est pas mal, la reprise. Elle passe en rien à côté. Entre deux bonnes équipes de Challenger Pro League, Kevin Kiss est très tendu vers l'Osgo. Babona s'est sauvé devant Debatti. Et Loemba ne tergiverse pas, il a raison. Hein. On revoit le corner au second poteau avec Bamona. Et il y a un ballon sauvé, je crois, par Renaud Wilmots, providentiel. Parce que, ou plutôt par Bustin, ça rentrait. Hein. C'est parti pour Loemba. C'est coupé au premier poteau, c'est goal! C'est goal pour Liège! C'est goal pour Liège qui prend l'avantage 6 minutes après la reprise dans cette seconde période. Un coup de tête rageur et un goal qui peut peser lourd dans la balance dans ce derby. Joie contenue pour Gaëtan Englebert. Ce sont les 100 et Marine qui font un peu les premiers. Mais c'est un coup de tête absolument remarquable ici au premier poteau qui a été réalisé par Brugman. Et c'est un goal extrêmement important, évidemment. Ballon qui s'élève pas mal de la part de Mouli. La tête Belin. Est-ce que ça rentre? Oui. C'est 0-2 pour Liège. C'est 0-2 pour Liège. C'est un scénario de rêve qui est en train de se passer. Et c'est Bustin qui a marqué. 0-2 à 25 minutes du terme. C'est peut-être eux qui vont mettre un terme à la longue série d'invincibilité du patron à domicile. Et maintenant la concrétisation. Et sans et Marine, on revoit. Il n'a pas osé sortir, Belin. Et il est trop court sur cette reprise de Bustin. Qui bat dans le duel Corstiens, s'il faut le faire. Ah, il n'a pas osé sauter. Et Jordan Renson non plus. 0-2. Peters. Nansoko. Nansoko essaie de s'ouvrir quelque chose. Pied gauche. Ouf. Oh, c'était beau. C'était très très beau. L'arrêt de Mathilde est aussi. Ben oui, ça partait sous sa transversale. Il devait être là. Steph Peters. Ça part pas mal avec une tête de Batty. Il doit boxer ça en corner. Attention, parce que le patron... Je vous rappelle que contre Danes, il plante deux goals dans les 5 dernières minutes. On revoit ici la tête. Bon, là, il vient de reprendre le rôle tout de suite de Loemba. Alors que là, Mputu, attention, force Corsiette peut-être à la faute. Il donne pénalty et carte rouge pour Corstiens. Corstiens est dehors, faute dernier homme. Mais il était beaucoup plus frais, Mputu, hein, et il se loupe dans son contrôle. Et puis il cède du bras, oui, la faute, elle est évidente. Liège va être deuxième du général. On fera le point sur le classement dans quelques instants. Ah non, c'est Dostilo qui le donne. C'est Dostilo. Oh, c'est un bel arrêt. Pour le dernier corner, et il passe en dessous de Batty, mais c'est sans gravité parce qu'il y avait une faute sur le gardien liégeois. Et c'est là-dessus que Simon Bourdonduy mettait fin au match. Liège a gagné 0-2. Regardez les scènes de joie.